Get in the game with the Alienware Alpha, PC or console. The choice is yours. The Alienware Alpha, powered by Intel Core processors. Gosh, I have nothing to play. Like, nothing. Yo, kids, stop your grumble mumbling. Check out G2A.com. New hottest game, bam! Crazy discounts, pow! Instant delivery, man! This site's ain't crazy. G2A.com, a global operating marketplace. Games, software, time cards, and all that your sweet gamer's heart can desire. Buy digital goods, sell digital goods, go crazy! Are you listening? Damn. Thank you.
Thank you.
fists win. Et rebonjour à tous, excusez-moi, on se retrouve donc pour ce troisième match des ESL Pro série saison 2. Ça sera entre les Nip et les Fnatic, ça sera sur D2 et je serai avec Alka. Ouais, heureux à toi. Toi, c'est pour ça que je te laisse lancer, c'est parce que je sais que tu vas babulcier au début. Ça me fait rire. Alors, sérieusement, ça risque d'être le deuxième beau match de la soirée. On va dire que celui d'avant était globalement inintéressant. On a eu un beau Navi TSM. Je pense que Nip Fnatic va être magnifique. On est vraiment sur une map qui est très bien gérée par Nip, qui est moyennement gérée par Fnatic. Mais on a Fnatic qui en ce moment est très en forme. En ce moment depuis des mois de toute façon. Et donc ça va compenser le fait que ce soit la map Nip. Alors, un pronostic, Baron Rico. J'ai envie de dire, ça va dépendre des Nip, ça va dépendre d'Alu. Est-ce que Alu va être chaud aujourd'hui? Si oui, les Nip peuvent gagner 16-13. Alors, mouille-toi vraiment, 16-10. Enlève les scies et refais un prono. Euh, 16-12 pour Fnatic. D'accord, donc là on attend vrai prono, voilà. Donc tu dis 16 ou Fnatic? Ouais. Eh bien moi, je pense une victoire serrée des Nip. Ah. Pour l'instant je suis à 2 sur 2 en prono. En régie on semble être d'accord avec moi sur une victoire à Nip sur les deux. Je pense une victoire à Nip. Ah, en régie on me dit finalement on n'a pas de couilles, on part sur Fnatic. 16-10 pour la régie pour Fnatic, donc on rejoint, donc la régie rejoint, donc vous êtes tous contre moi. Moi je pense victoire Nip, parce que D2 c'est vrai, s'il y a une map qu'on associe à Nip, c'est D2. Et en plus derrière il joue TSM, et alors sur quelle map il les joue? Sur Train, ça sera très très beau à voir également. Par contre tu pars après tout ça, donc c'est casté par Sceptix et moi-même. Parce que tu exactement déco donc après ce match. On rappelle que tu vas voir ta maîtresse, si je ne me trompe pas. Exactement, ma maîtresse s'appelle Histoire Ancienne. Freiberg, alors que le cut qui a commencé et on est déjà en 3v2. Avantage des Nip. Voilà, Olof qui va quand même faire tomber Freiberg. Alors, est-ce qu'ils vont commencer de terreau, Nip? Ils vont stay et ils vont dire on fait courir Forest. On rappelle que Nip, Forest et Gatorade sont monstrueux depuis... dernier event qu'ils ont fait à Dubaï et que Nip avait battu Envy sur D2. Ça avait été une grosse perf. Et je crois même qu'ils avaient battu TSM également sur D2. Donc voilà, sur D2 ils sont mais extrêmement strong la NIP. Sûrement une des meilleures équipes sur cette map là, au monde. C'est pour ça que je crois en eux. Et finalement ils choisissent de commencer CT. Effectivement, il choisit de commencer CT alors que du coup, il y a un Logan Rune qui va partir. 4 Kevlar sortis du côté des Nip avec un kit sur Freiberg. De l'autre côté, bien 4 Kevlar du côté des Fnatic avec du stuff sur Pronax. Stuff qui est déjà parti sur le site Bombe B. Pronax d'ailleurs qui va se retrouver à 68 HP. Il va poker Freiberg, mais c'est Freiberg qui va finalement lui coller le HS. Freiberg qui a pris un kill important, malheureusement pour lui, il a pris un peu une tête perdue de Pronax. En fait, ce Pronax a mis une smoke qui bloquait la vision droite et il servait de la vision gauche pour challenger Freiberg. Mais Glock contre ESP, toujours à l'avantage de l'ESPS, alors que ça court au niveau du mid, ils vont courir sur les Nip, mais les Nip sont 3 en B. Il n'y a pas de smoke au niveau du mid, ça va être une boucherie normalement en faveur des Nip sur ce rush. À moins que Flecha active et dise non. Oh, le Taz de Forest sur Flecha. Il l'avait acheté, il l'a fait. J'hésitais à en parler, mais de son achat, mais c'est vrai que ça a été utile. Du coup, 2v2.
Alu, faible, trop faible Alu encore, trop léger. Forest et Freiberg avaient vraiment fait le travail. Et Nip était 3 au niveau du B. Et ça passe pour les Fnatic. C'est dingue, les Nip sont 3 en B, 2 joueurs au niveau de la, du spawn CT. En gros, il y avait 4 Fnatic qui étaient bloqués entre 5 Nip, 5 Smoke. Et c'est quand même les Fnatic qui arrivent à passer. Alors que les Nip étaient en 5v4. Avec un avantage des positions, etc. Et on a vu un duel au niveau du tunnel perdu par Alu. Son vis-à-vis a 30 HP. Alu a le far shoot. Et malgré ces deux conditions, Alu n'arrive pas à prendre le kill. Et du côté des Fnatic, là on va dérouler sur un rush PMB sur Freiberg. Ah ouais, on s'est fait taguer et on recule. J'espère après un coup de scout, il a fait ouais, non, j'y vais pas. Voilà, j'ai des collègues qui se doutaient que Getright allait être au niveau de ce tunnel lower B. On est donc en 5v4 à l'avantage des Fnatic. On va passer au niveau 2 cette corniche, alors que c'est Krims qui va prendre le kill sur Forest. Olof tranquillement surexiste. Même si Alu va coller le one ball du futur sur Olof. Alu qui va tomber instantanément sous les balles de Pronax. Fiber sur Jiboy au niveau de ce middle. Bonne agression de la part des Fnatic. Qui ont bien rotate du coup 3v1. Attention, voilà un Freiberg qui va se prendre une petite HE, ça va le laisser à le 36 HP. Si Freiberg ne meurt pas, c'est l'opération économique du siècle pour les NEP. Vraiment. Ah, Pronax, il a tellement bien joué le coup. Il a tiré dans le mur, Freiberg il a paniqué, il a tiré aussi. Et Freiberg a révélé sa position. Il n'y avait pas de Kevlar, il se faisait rusher par une PM. Son premier tir devait être dans la tête, mais Pronax, il pense toujours à tout. Mastermind des Fnatic. Écossais côté NLP. Ouais, Forest. Ouais, bah montre-moi que t'as raison parce que là je te suis pas sur ton achat. Il va toucher le chat. Ouais, super. Ça rush au niveau du P et voilà, ça va passer tranquillement pour Fnatic. Hein, les têtes qui partent déjà. Forest qui a tagué 2 joueurs, attention! Et du coup on repart côté Fnatic puisque ils ont totalement délaissé le A, ils ont fait un pari mid B. Il y a déjà un joueur qui est passé au niveau du A, c'est Olof. Il va rater le tag Forest, il se fait une aid. Le A qui va être pris, on va jouer reprise avec une AK. C'est faisable si tu le chat maintenant. Ah dommage. Le chat était bien au présent. La spawn qui tâche, ça va laisser à 26 HP à lui qui va faire tomber Olof. Attention, 2v2. Peut-être encore jouable là, de côté des Nip, même si Krims va faire tomber Forest. Le chat il est trop solide, vraiment incroyable. Il a tenu le middle à lui tout seul, il a fait tomber 3 kills au niveau du mid. À chaque côté NIP, ça a failli marcher. Tu vois, le problème, c'est ça que j'aime pas, c'est que c'est un pari qui peut être payant si t'as vraiment de réussite dans le round. Mais s'il perd, regarde Forest qui pour moi est le carry NIP. Ton carry se retrouve au CZ sur le round qui compte le plus économiquement. Effectivement, alors que du coup 3-0 et on a sorti la web du côté d'Alu. Est-ce qu'il va être en forme? Est-ce qu'il va réussir à prendre des kills ou est-ce qu'il va être juste pas là, Alu? Voilà, Alu qui est en robe glass cannon, effectivement. On a déjà plus de stuff. Il reste 1 minute 15 de jeu et l'IP n'a plus de stuff. Plus une smoke, plus une mollo, plus une HE. Il reste 3 flashs pour toute l'équipe à 1 minute de timer de jeu. Fnatic va s'en servir et va rusher au niveau du mid parce qu'eux ils ont du stuff. On va smoker, on va prendre le B. Getright qui a pas d'infos. Ici il décide jump, c'était Getright, il meurt sur la décale de Krims. Forest qui n'a pas d'infos du mid non plus. Il n'y a pas d'infos du tout côté NIP. Ils sont coupés en deux, ils ont pas de stuff. Et si Fnatic perd ce round, je ne comprends plus rien. Ils sont infiltrés partout les Fnatic en slow. En sneaky, et voilà, c'est un round gratuit pour NIP, pour Fnatic, pardon. Attention, ils ont juste perdu la bombe, mais c'est une question de temps parce que Freiberg est tout seul au niveau du B. Il fait un peu de résistance quand même, mais ça passe. Il y a un lurker, c'est écrit au niveau du spawn CT. Il prend Getright, il y a Alu qui doit encore traverser la smoke. Il prend Alu, et Zix, ah, Zix qui a montré sa position malheureusement pour lui, un V2. Ah, effectivement, il est tout seul, ça semble très très compliqué pour lui. Et voilà, c'est Olof qui va lui coller le HS. 4-0 pour l'instant, les Fnatic qui s'en sortent très très bien sur ce début de premier side.
ça va envoyer ses nips en écho. Il devrait faire le 5, le 5-0 pour l'instant, les Fnatic qui s'en sortent bien, tout simplement. Ça aurait pu être faisable pour NIP si Alu prenait les bonnes décisions, c'est-à-dire c'est du 2v, c'est des 3v2. Gatorade Alu existe contre Olof et Krims. Krims au niveau du spawn CT, ils le savent, et plutôt que d'attendre que la smoke disparaisse, Alu et Gatorade ont voulu traverser la smoke tous les deux. Et ils se retrouvent dans une situation où, bah, quand tu traverses une smoke contre Krims, tu meurs. Ça passe de 3v2 à 2v1 pour Fnatic. Et derrière, Gatorade pouvait rien faire. En plus, il a, au lieu de prendre la revenge, il a révélé sa position sans prendre le kill. C'est encore plus terminé. 5-0 pour Fnatic, c'est une fessée. Perfect. Et en plus, un perfect, hein, ils se permettent même de mettre un petit perfect. Ça leur fait beaucoup de bien au niveau de l'économie. Économie qu'ils ont florissante d'ailleurs, hein, c'est Fnatic. De l'autre côté, eh bien, on n'est pas très bien. On va quand même sortir un setup double AWAP sur Alu et sur Forest. Est-ce qu'on va réussir à bloquer ces Fnatic? Faut prendre des pics là côté Nip. Nip, le premier round d'armée qu'ils ont fait, ils l'ont joué très timidement. À base de position hyper reculée, sans vision du middle, avec juste Forest au CZ côté double porte. Il n'y avait aucune chance que ça passe. C'est-à-dire en termes de pourcentage, zéro. Freiberg est chaud, on sent qu'il essayait d'en B, il était vraiment tout seul là, il arrive à prendre le premier kill. Il se fait courir dessus par Flusha, il l'a vu. Il y a un duel entre Flusha et Freiberg qui est remporté par Flusha. Forest au niveau du mid. 3v2. 3v2, c'est l'avantage des Nip. On va traverser cette smoke. Oui, on va la traverser. Mais stop, traverser. Oh là là, les Nip, mais pourquoi ils traversent les smokes? C'est le deuxième 3v2 qui sont en round d'armée. Et c'est le deuxième 3v2 où ils veulent traverser la smoke. Et où ils perdent un joueur. Et derrière, 2v1. Ça fait deux fois le même round. Alu qui traverse la mollo. C'est bien joué de la part d'Alu. Il sait que son vis-à-vis est tunnel puisque son pote a eu l'info. Il le voit sortir. Il rate la hop. Ah, la bonne smoke de Flusha. Il est tellement intelligent ce joueur. 6-0 pour Fnatic. 6-0. On va rentrer en cycle loser du côté d'Enip. On va acheter cependant. Ça suffira pas pour acheter. Non, ils vont pas acheter Enip. Ils ont besoin du Forest et Alu à la WAP. Ouais, enfin, quitter Echo existe. N'achète pas jusqu'à avoir 1k$ quoi. Malheureusement, il a un peu trop acheté à mon goût. Existe. Il a pris un scout Kevlar casque. Le casque est pas nécessaire contre des terreaux à l'AK. Effectivement, et voilà, Chris 5 qui va faire tomber Alu. Gatorade qui va quand même revenge son mate. Mais du coup, on est en 4v4. On n'a pas récupéré d'armes du côté de Zenith. Ça semble encore très très compliqué pour eux. Alors que pour l'instant, on est en train de s'avancer à 2 au niveau de cette corniche. On la tient à 2. Attention, parce que pour l'instant, personne ne semble se diriger vers eux. PW qui va prendre le kill sur Xyz. C'est dommage. Et dommage, Xyz, il a une position avantageuse au niveau du scout, au niveau de la longue. Il a commencé à attaquer Pronax. Et il tente le move de sauter dans le trou pour enchaîner des air jump. Il y va sans smoke, sans flash, tout seul. C'est du suicide. Et il pourra en plus de ça au prochain round. Pas avoir tant d'argent que ça, parce qu'il a que 1k2. Il pourra acheter, bien sûr, mais pas de stuff. Et donc 4v2 maintenant. Ils ont pas de flash pour traverser la smoke. Connaissant Gatorade, je pense qu'il va la traverser quand même à un moment donné. Il a vu qu'on passait Pronax, mais c'est du B. Les joueurs sont genre d'eau. Ouais, de toute façon, là ça va être compliqué hein, pour les Nip, parce qu'on va réussir à prendre un kill JW en tout cas qui va faire tomber Gatorade. Et Forest qui va tourner le dos à Olof. Lui offrant ainsi sa tête. 7-0 en faveur des Fnatic. Bon, on va ressortir la WAP, on va ressortir un setup double à WAP du côté de Zenip. Mais là, on est en train de leur offrir le premier side. Hein, j'arrive pas à savoir si Fnatic est vraiment trop fort ou si Nip nous troll sur tous leurs rounds d'armée en fait. C'est à dire que j'aime pas les positions des Nip et de l'autre côté, Fnatic gagne tellement de duels. Ah, Forest, travers mur, travers smoke sur Jasper. HS, à la WAP évidemment. Le round, ils ont le 5v4 maintenant. Ah, qu'est-ce qu'ils vont proposer pour le conserver? Et tiens, est-ce qu'on va réussir à le conserver? Je sais pas, attention quand même, hein, à Forest qui est bien positionné, qui va prendre la tête de Krims, qui lui montrait
le haut de son crâne. Du coup, eh bien, 5v3, peut-être le premier round pour Zenip. Il faudrait clairement s'avancer dans ce middle du côté de Pronax. Il est tellement bien. La double smoke parfaite. Il flash le B pour ses mates. Du coup, ses mates peuvent rentrer au niveau du BPB. Oh, Forest, l'ace monstrueux de Forest avec un travers. Ah là là, il a été monstrueux. Il prend triple kill dans le mid et il met une balle qui tue deux mecs au niveau du tunnel B. Énorme, énorme shot de Forest. Ils se sont alignés et Forest fait un ace à la WAP. Voilà ce dont avait besoin Nip, d'un ace de Forest. Ah, que clairement. très très beau round de la part de Forest. Très très beau double kill à la fin. Impressionnant. Comme tu le dis, hein, voilà, on rentre au scoreboard du côté de Zenip. Il va falloir mettre plus cependant. Et le problème c'est que voilà, c'est Kriz déjà qui va prendre l'intri sur Get Right. On est en train de retomber dans des travers du côté des Nip. Bah en fait ils font ce qu'ils ont fait depuis le début sans un Ace de Forest tout simplement. Forest qui va arriver au niveau de la GA. Il sait qu'il doit faire la diff parce qu'il est. Avec Freiberg, c'est vraiment les deux seuls joueurs réveillés de début de partie. Get Right n'est pas là. A lui qui fait quelques mauvais choix. Un de plus, il n'aurait pas dû rester là-bas. Du coup, Forest regarde le A, il n'a pas de cover du B de son mate et c'est du 1v5 pour Freiberg. 1v4 maintenant, suite à ce bon pick, mais il faut qu'il arrive à save la WAP. Jasper le sait et l'attend. Ils viennent de faire ce qu'ont fait Navi, c'est le même match en fait. Fnatic qui court en terreau, Nip qui met un round pour sortir de l'écho loser, qui perd derrière et qui se retrouve en écho. Effectivement, en fait, c'était pas le problème des Navi, c'était le problème des Fnatic, cette strat. Oui, bon, ouais, il y a Fnatic qui est vraiment au-dessus du monde, quoi qu'il arrive. Mais non, ça reste Nip, Navi, enfin, ça reste des équipes qui sont censées contester plus que 4 rounds par map. Là, quand même, c'est du très 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 petit Nip qu'on voit. En plus sur D2. En plus sur D2, alors c'est vrai qu'ils ont... Rien pour eux, hein. Clairement, voilà, ils ont une économie qui est basse, qui est même inexistante. Ils ont eu du mal à se mettre à la WAP, du moins du côté de Alu. Bon, c'est compliqué quand même hein, pour les Nip. Gatrad qui va tenter le Taz. Il va se rater. Il était trop loin. Et voilà, du coup, il va tomber sous les balles de Flecha. Pronax sur Xyz. De toute façon, ça va faire le 9-1 normalement. Freiberg qui empêchera le Perfector de s'entendre W. Chat qui a sauté au niveau de ce spawn CT, tombera sous les balles de Freiberg. Et c'est Olaf qui le terminera. 9-1, les Fnatic qui se baladent face à Zenip. Donc qu'est-ce que tu peux faire contre Fnatic? Ce soir, il semblerait que pas grand-chose puisse effrayer les Fnatic. Le seul round mis par Nip, c'est Forest qui en tue 5 sur 3 décales magiques et une dernière balle mais extraordinaire qui traverse deux joueurs et le deuxième dans la tête. Voilà ce dont avait besoin Nip. Malheureusement, derrière, ils se sont réendormis. Forest se retrouve au FAMAS. Get Right, qui généralement est un des meilleurs joueurs sur D2, est totalement inexistant. Il n'a pas les bons timings. Il n'arrive pas à faire son rôle de lurker. Bon, il n'y a pas de lurker en CT, mais à faire son rôle de pivot. Il est un peu partout à la fois. Tout à l'heure, il était GA, là, il est B. De temps en temps, il est mid. Et il faut qu'il influe là où il va. Il n'a pas d'influence sur ses actions. Et Fnatic, ça passe partout, ça passe mid, ça passe corne, ça passe B, ça passe long. Ils ont pas de problème statique pour l'instant. Ah bah clairement, hein, ils font des excellents stuff. Alors qu'on va partir hein, au niveau de cette corniche. Voilà, on a été vu. Mais voilà, le stuff natique qui est bon. Pas de réussite dans les duels des Nip. merci pour Nax de le prouver sur Forest. On est donc déjà en 5v4, 5v3. Non, mais c'est trop facile. Pronax, c'est court pour le GA. On va laisser le round se terminer. Mais le round est terminé. C'est Pronax, c'est court au niveau de la GA. Attention à Freiberg qui prend un kill 1v2. Attention, c'est un peu intéressant maintenant. Freiberg qui n'a pas de kill qui court. Attention. Pronax, il met pas de flash, pas de smoke. Il attend dans sa GA. Pronax, il saute dessus au FAMAS, mais comme il sautait, il pouvait rien faire. Derrière les cours, il peut enchaîner sur Get Right, la Revenge Pop, mais c'est tellement tard qu'il a déjà fait 2 kills. Voilà, c'est un massacre, on va le dire comme ça. On a l'impression de commenter Fnatic contre les killers du 92. Sauf qu'en vrai, c'est NIP, quoi. Ouais. Ouais. L'avantage, la différence, c'est que les NIP ont réussi à mettre un round. Mais ah ouais. C'est tout, en fait.
Bah en fait non, c'est Forrest qui a mis un Forrest, round. Forrest, ouais. Il a tué 5 mecs dans un round, c'est le seul round remporté par Fnatic. Quand tu vois Gatewright 2-10, Exis 2-10, bon. Voilà quoi, ils ont fait 4 kills à 2 en 11 rounds. Ils sont morts tous les rounds sauf le round où Forrest a mis son ace. Y a rien de bon à prendre sur le site de Dynady pour l'instant. A voir ce qu'ils vont proposer en terreau s'ils arrivent à mettre le gun round. Rien n'est perdu, hein. S'ils mettent le GR, ils peuvent faire le comeback. Mais là, en CT, c'est clairement sûr qu'ils n'ont pas les bonnes positions pour Fnatic. Ah non, clairement, hein. Voilà, hein. De toute façon, on a un écho sur ce round, ça va faire le 11-1. Les Gatewright vont faire pour le JTV et Freiberg Olaf, attention, on est en 3v3. Mais de toute façon, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Tiens, on a quand même récupéré la WAP qui va tomber sous les balles de Flecha. Freiberg qui est allé tout seul. Ok, Prodax, régale-toi. Qu'est-ce qu'il a fait, Prodax, là, en fait? Il court short, il met 3 têtes. On passe à autre chose. Ils ont pas le temps, Fnatic, hein. C'est comme sur Kebel. Ils font pas de contrôle map, ils font pas de strat. Ils courent avec une flash, une smoke, et ils cliquent sur les têtes. C'est hyper basique ce qu'ils font, Fnatic. Ils vont là où ils veulent, là où ils le sentent. Y'a aucune complication, y'a aucune strat. Là, ils ont fait une fast corn, smoke mid, on court. J'espère que tu nous covers la WAP. Et nous on s'arrête pas de courir. Double flash mid. Et regarde Pronax, il court mid. Dès le... Ah, il sort du spawn, il court mid. Heureusement à lui là, il a enfin eu une réaction à ce move. Mais il y a rien de plus troll que ça quand même. Une smoke, deux flash et on court mid. Ouais c'est ça. Fnatic qui joue un jeu tranquille. Voilà, Forrest qui va quand même faire tomber Kings, mais attention à Olaf qui est encore représenté au niveau du middle, non. Voilà. Après Berg qui est tombé au niveau du B, l'ouverture est faite par Jasper, donc le B n'est pas pris par les CT, hein. Il joue depuis XTB et Window, et Alu qui... Mais Alu ouvre pas ta ligne, s'il y a une smoke, il y a trop de... Oh là là, il renverse le round. C'était quand même du 5v3 en faveur d'Anabi, ils ont mis de 3v5 Fnatic, sans problème, Forrest qui va devoir partir économiser s'il trouve un AWAP. Ah non, non, il prend la K et il joue le clutch. Ok, très bien. 1v2. Il a vu Jasper. Alors, Jasper qui joue CZ, il va le pick. Il va le pick. Il joue avec lui. Attention, à force de jouer, Forrest peut le mettre, mais non. L'assurance Olof au niveau du B. Exactement, Olof qui sécure contre toutes les agressions. Ouais, c'est ça. Olof, il fait alarme chez vous si vous voulez. Famas, au niveau des NLP, Max 7 sur Alu et Getra. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un Max 7 sur D2, sincèrement? On va jouer B, contact B, au moins 1. Et où est-ce que va jouer Alu? Alu va jouer au niveau de la corne en jump shot. Ok. Le problème, c'est que si tu perds Exist en 5 secondes de round, tu pourras pas faire grand-chose depuis la corne au Max 7. Ah là, c'est-à-dire s'il court sur Alu GA, il pourra rien faire à lui. Voilà, du coup, il va se mettre sous le site. Mais on est en 5v4, on n'a pas d'armes. Concrètement, pas d'armes. Alu qui va voir une tête, qui va pas s'y intéresser. Krims qui va faire tomber Gatewright, on est donc en 5v3. Mais qu'est-ce que fait Alu? Je sais pas. Ah ouais, c'était une vraie question, hein. Je pense qu'on arrive à un moment où... Ils ont un peu give up. Hein. Oui, ils sont give up. Il y a pas d'autre choix. Enfin, c'est pas possible. Là, les NIP ne jouent pas. Les NIP, c'est des bots. Peut-être pas des bots, mais disons que mentalement, ils y sont pas. Je pense que quand tu perds 13-1 contre Fnatic, tu sais qu'il y a peu de chances que tu retournes la game. Ils ont un match important contre TSM juste après sur Train, très bonne map NiP aussi. Et je pense qu'ils sont déjà partis sur Train là. Ouais mais attends, ils sont imprenables ce soir, ils peuvent rien faire. Ils ont pas les armes en termes de collectif, en termes individuels pour lutter contre des joueurs comme Fnatic quand ils sont chauds. C'est ça, et même, tu le dis, hein, NiP contre TSM, ça va se jouer sur Train, très bonne map des NiP. Attention parce que les TSM s'en sont... pas trop mal sorti quand même face au Navy, ils ont perdu mais c'était pas trop mal. Là,
bah, mettre une tête à lui sans souci, au tech 9, en lui sautant dessus. Je veux savoir la vérité, quand TSM a perdu contre Navi, il y avait une cote de 70 pour Nip. Et là, il y a 50-50 quand les gens ont vu le match de Nip contre Fnatic. Bah en même temps... Mais je tiens à dire une chose, c'est que là, Nip joue Fnatic. Ils jouent pas n'importe qui. Bon après, 14-1, c'est vrai que Nip n'ont pas joué. Clairement, ils sont pas venus quoi. Sincèrement, il est 21h26, on a commencé le match, c'était 21h10, hein, ça fait 16 minutes de jeu. 14-1. Ouais. Ça peut être le match le plus rapide de l'histoire des matchs professionnels, quasiment. 14-1, changement de side. Bah, je pense que j'ai dit qu'après cette soirée, ils vont être contents de dire « Bon, bah les gars, on a fait le taf, allez, on peut aller jouer à... » Je sais pas à quoi ils jouent, à Rocket League. 14-1 en tout cas. Ouais. Bon, tu crois au backup, au comeback ou pas? Allez. Si le gunrun est mis. Si ah bah de toute façon, s'il n'y a pas le GR, ils ont perdu quasiment que rien round après le GR, quoi. C'est ça. Juste, le lace de Forest leur empêche d'être Fanny, quand même. C'est quand même impressionnant. Franchement, je suis dégoûté qu'il y ait eu un lace de Forest, limite. Genre, le 16-0 Dream aurait été magnifique. Mais le 16-0 aurait été même totalement, totalement logique, enfin, à la manière de comment jouent les Nip. Ah, chacun existe, on est même. Oh, il a tenté un Taz. Il a tenté un Taz Olof sur Getright, du coup il est mort. En même temps, on va avoir le score pour le tenter. Je pense côté Nip quand même. Voilà, on sauve l'honneur côté NIP. 41% pour TSM. De quoi? Ah non, Nip TSM c'est 50-50 là quasiment. Bon, on retourne au match, 14-2, t'as dit s'ils mettent le GR, ils peuvent faire le comeback. On va voir s'ils t'écoutent ou pas, attention à Freiberg hein, qui a déjà 30 HP. Oui Freiberg, bah vas-y joue avec un scout, y'a pas de problème Freiberg. Oh Getret, le pool de Getret sur Flecha. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font les Nip? Ah ils sont pas dedans, ils sont pas dedans. Et s'ils se font écho qu'ils perdent 16-2, ils vont vraiment être dégoûtés je pense. Je pense qu'ils vont pleurer violemment, même si Forest, lui, par contre, ne va pas pleurer. Va coller le One Ball du futur sur Pronac. Très bien, existe qui va faire tomber Krims, qui tentait de faire la même chose. Voilà, sur JW, bon. Ça ne passera pas du côté des Fnatic. Olof, qui est tout seul dans ce middle. Il va tenter de tasse quelqu'un. C'est quand même des trolls, ces Fnatic, hein. J'avoue que c'est un peu des trolls. Et il va le faire. Il va le faire. Mais tu sais, il a pas de raison de s'amuser quoi. Je veux dire, en face, il y a pas d'opposition. C'est ça. Autant qu'il kiffe sa vie parce que là, c'est un peu... là ils vont bosser les Fnatic, c'est leur boulot de jouer et ils se font chier donc bon, ils essaient de pimenter un peu leur soirée. Echo sèche à venir côté Fnatic, on devrait avoir au moins un 14-4 qui sauverait l'honneur d'INIP s'ils arrivent à mettre au moins 5 rounds d'Antero, 14-6, si ça veut dire bon voilà, on est venu quand même. Oui, on est venu. Bien. Voilà, perfect quand même de la part des NIP. Maintenant voilà, sur leur side de CT, on s'attendait clairement à un meilleur side. La première round d'armée à suivre. Est-ce qu'on va sortir la WAP? Voilà, on va la sortir du côté d'Olof. On va avoir un setup double à WAP, à lui et Forest. Je suis pas sûr que ça soit la bonne idée du côté des... Bah, Forest, franchement, je vais être honnête avec toi côté Nabi. Je l'ai rarement dit, hein, mais j'aime pas du tout à lui. Enfin, pas le personnage, hein, son jeu. Je trouve Forest bien meilleur à la WAP. Donc, si Forest veut prendre la WAP, qu'il le prenne. Je trouve qu'à lui est plus un support qu'Amena Whopper dans son jeu et tout. Enfin, je trouve qu'il apporte pas grand chose à NIP malheureusement. Forest peut prendre la WAP et il est monstrueux avec, donc bon, on l'a vu d'ailleurs en CT. Donc c'est une bonne idée qu'il l'ait pris. Et de toute façon, regarde, le double up est terminé parce qu'à lui est déjà mort dans le round. Il est rushé par une M4 au niveau du mid. Donc 4v4 maintenant, le A est pris. C'est plutôt bien joué par NIP pour le coup. Ils ont du jeu en tiro. Oh! Et Forest qui va troll. Ah, ça c'est beau. Il a vu que c'était Olof, il a switch de la WAP au taser, il lui a rendu la monnaie de sa pièce, il fait tomber Krims derrière. Forest est chaud, je veux dire. Il est là, Forest, il fait sa game.
Il faut le laisser à WAP. Pour moi, lui devrait pas jouer à WAP. Là, il devrait jouer à K. Ah non, là, il troll par contre. Ouais, il troll. 3 AWAP en terreau sur D2. Existe Alu Forest. On n'a pas envie de les laisser passer dans ce middle, c'est tout. S'il rejoue à K derrière, pourquoi pas, il va juste prendre un décalmine. Mais s'il joue vraiment le round à triple AWAP mid, quand ils vont se faire courir dessus, ils vont être déçus quoi. Ils ont que Gatewright et Freiberg en front line. Et oh! Et Brandon sur Gatewright! Oh mais dur. Non! Ils viennent de perdre un de leurs deux joueurs de front line. Existe, tu vois, Unag aurait pris le kill là, Existe. Ils sont franchement en Ipson. Là, je les comprends pas. Ils sont en galère depuis le début. Ils sont sur le point de faire un comeback. Et ils trollent sur un round qui compte. 4v5, Echo siège côté Fnatic. Ils ont pris l'avantage, mais ils ont pas beaucoup de vie. Mais il reste un taser sur Jasper et le chat. Oh, Jasper, il va switch taser. Ah non, t'aurais dû switch taser. 4v4. Il y a plus de taser. Plus de taser. Au moins, une première menace est éliminée. Ah si, sur Forest. Top 2, V4, Traluki à faire tomber Olaf, c'est plus que Flecha. Bon ben voilà, le seul kill aurait été pris au taser grâce à Pronax. Ouais, comme dit dans le chat, hein, le rest où est-il? Il est pas là, il est où? C'est vrai qu'il y a plus de rest, Platic ne respecte pas les nips, hein. Il les tase de tous les côtés. Heureusement, Forest a tasé Olaf tout à l'heure en round d'armée en plus. Ça c'est une bonne perf. Ça. Après... Yana dans le chat qui disait peut-être que ça va devenir une nouvelle strat. Hein. Ouais, c'est un troll de cette mise à jour. Franchement, pour moi, ça devrait être interdit en compétitif de taser les gens. Ah, je pense que c'est. Mais c'est CSGO, on n'est pas sur code. Ouais, mais c'est comme le cut. C'est. Ouais, deux faces. Ouais. Et avec une meilleure portée qu'un cut quand même. Ouais. Ah, voilà, et Ben, voilà, ça c'est un bon kill. Et Freiberg à la WAP. Et j'aurais vraiment tout vu ce soir. 3v2, la Freiberg qui est tombée justement. Les deux derniers, c'était son A. Ils ont l'info, les nips, là il faut qu'elle lui court au niveau du B. T'as le choix, elle sert à rien, dépêche-toi de courir. Où est-ce qu'il est, Forest? Ah, il est en B. C'est Forest qui a pris toute l'info, hein, vraiment du B. Il a pris l'ouverture, il a gardé l'épée tout le long du round. Attention, il arrête, il y a Stick qui est rentré. Oh là là, il l'a pas vu, Forest. Heureusement, il met le round derrière. Forest, il est archi chaud. Hein. Faut dire ce qu'il est, faut. Faut lui faire quand même là, ça. Il fait 20 kills dans une équipe qui perd 14-1 quand même. Ouais, là où le deuxième top ragger, c'est Freiberg à 15. C'est vrai. C'est vrai, on a vraiment Exist, Gatewright et Alu en grande forme. Ils font pas un si mauvais side hero que ça, la NIP. Ils mettent 6-0. Ils mettent quand même. Ça, là, j'avais pas remarqué, ils ont mis 6... ils mettent 6-0 à Fnatic et en CT sur D2. Donc ils font une bonne perf. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis qu'un round dans CT, quoi. Clairement, ça aurait changé toute la physionomie de la avec partie. Avec 5-6 rounds dans CT, ils auraient pu, bah, il y aurait quasiment draw, là. Et ils pourraient, ils auraient pu vraiment faire un gros comeback, là. Là, s'ils font le comeback à 16-14, je me rename, j'achète le maillot des NIP. Ah non, là, ça serait étonnant, même si Krillz va prendre le 2 white ball du futur sur Freiberg et Gatewright tranquillement au Deagle. C'est tellement facile de tuer au Deagle. C'est peut-être ça. Ah, j'avais dit 16-8 Fnatic. Hein. Est-ce que Fnatic va finir 16-8? Ah non, j'ai dit une puissance 13. T'as dit attention. Attention. Non, c'est vrai, j'ai tenté. Non. Alors, côté NIP, on part sur un setup double AWAP encore une fois. Alu Forest, on a pris un autonome au niveau du. Au début du round pour mettre des travers sur Krims et Olof. Ça a marché, on va dire. Ils ont pris moins 20, moins 30. Gatewright qui a pris la short. Il y a l'info qu'il y a deux joueurs qui sont là. Attention à l'arrivée de l'off, anticipé par Forest, le crunch bug parfait. Il s'est accroupi, il s'est relevé pour jouer sur la mise à jour. 4v3, bombe non plantée, attention, tous les Fnatic arrivent là maintenant. Gatewright qui tombe, oh, c'est du 5v3, ils vont peut-être pas le perdre quand même. 3v3 maintenant, bombe toujours pas plantée. Ça y est. Et Krims qui va gagner son duel face à Krims au niveau de cette double porte middle.
à lui qui va quand même faire tomber JW, du coup 2v2 à suivre. Ah, Pronax s'est auto-flashé, en fait sa flash a mal rebondi et il s'est flashé tout seul. 14-9, 9-0 pour NIP, 8-0 pour NIP. Est-ce qu'on serait pas en train de commenter le side d'avant? En fait, c'est deux équipes qui ne savent pas jouer en CT et qui donnent tout en terreau. Ouais, c'est peut-être ça, effectivement. En tout cas, ça commence à en prendre la forme. C'est quand même bizarre ce que nous prend les Fnatic. Autant au début, je veux bien qu'ils soient en train de autant brûler. Au début, c'était marrant, ils tasaient et tout. Autant là, ils se font massacrer, quoi. Ouais, autant là, ils savent pas. C'est juste la défense Fnatic ne tient pas. Les Celtics qui font un pari B hein, sur cette éco sèche, ils ont stack B. Ça a été lu et bien géré par NIP. Ils remontent à 14-10. Les Fnatics, s'ils veulent vraiment pas se faire peur, ils doivent remporter le prochain round. S'ils le perdent, ça fera sans doute 14-12. Et là, je pense qu'ils vont commencer à avoir peur. Parce que dès qu'ils vont mettre le 15, les Fnatics, s'ils perdent celui d'après, ils sont en écho. Donc je serai Fnatic. Je gagnerai le prochain round. Et demande une patrouille. Ah, clairement. Clairement, il faut. Alors, ouais. Que vont nous proposer les Fnatic? Est-ce qu'ils vont faire leur timeout magique comme l'annonce le chat? Ils le font pas. On est en ligne. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de timeout de tactique sur ce genre de situation. Côté Fnatic, on prend la hop sur Jasper. Il y a toujours un double scope côté Théo. On a fait la diff en tagant Crims. Existe le same NHE. Et Gatorade qui est tombé sur les cales de Jasper. Voilà, Fnatic qui ont mis les bonnes smokes. On prend l'entrée kill côté Fnatic. On sécure le round. Ils savent que c'est celui-là qu'il faut mettre. Après, ils seront trop mal économiquement s'ils en perdent un autre. S'ils gagnent celui-là et qu'ils le perdent, il peut y avoir 15-15. Toujours. Donc le dream, le comeback dream est encore réel. Ah, c'est totalement possible, hein. Il reste encore 2 rounds pour les Fnatic. On a vu au combien ça semblait difficile durant les 8 rounds d'avant d'en mettre ne serait-ce qu'un seul. On est donc toujours en 5v4, avantage des Fnatic. Il reste moins d'une minute à jouer maintenant. Et on va partir sur une agression de cette corniche. Bon, on va tenter de reprendre des informations. En fait, le problème c'est qu'ils ont lâché le contrôle de la GA. Ça leur fait un peu peur au NIP, du coup ils doivent backup. Ils aimeraient bien que Kalil prenne un pic au niveau du mid. Ils tentent, mais les Fnatic le savent très bien. Ils vont pas se donner sur Alu. Une smoke mid, une flash mid, mais ça fera pas bouger Fnatic. Le choc qui traverse la smoke sans complexe, on le smoke, il traverse. Il prend Alu qui avait pas du tout anticipé ça. Et ça va être pratiquement imperfect pour les Fnatic. C'est un perfect, avec un triple que Jasper. 15-10. Du côté des NIP, on retourne sur un double AWAP auto-noob sur Freiberg pour tenter d'amocher au niveau du mid. Avec un peu de timing, ils peuvent récupérer un kill facile avec ça. Donc ils ont... Voilà, ça passe. Voilà. À lui qui fait tomber Crims. Il y a un joueur en moins au niveau du B. Et donc il faudra qu'ils push B rapidement. Et dommage, ils n'ont pas été les NIP. Ils ont voulu y aller. Et au dernier moment, ils ont pris flash mollo. Ils ont reculé. Et Gatorade qui attend Jasper. Oh, il n'a pas eu le timing Gatorade, mais il a un réflexe monstrueux. Sur Flusha. 4v3 toujours. Pronax qui prend le bon pic au niveau du mid. Ça y est, les NIP n'ont plus l'avantage. 2v2. 2v2 à suivre. Hein. Qui à chaque fois se prenait des balles, à lui qui va prendre le kill sur Olof d'un bras. Oh, je veux le comeback. Je veux le comeback. Ah, ça serait beau, ça serait très beau. 1v2 pour Jasper qui est off au niveau du B court parce que c'était là que Forest était. Et Forest est parti au niveau du mid. La bombe est toujours middle. On va smoker le mid pour Forest. C'était pas la bonne solution parce que le mid est cover par Alu, hein, donc c'est pas une bonne smoke qu'a posé Forest. Il fallait qu'il smoke le B court. Et là, s'il court GA, il peut se faire tuer par Jasper dans le dos. Oh, le timing qu'il a eu! Incroyable le timing de Forest. Ah, lui qui va smoker, j'aurais plutôt smoké short.
Y'a aucune chance qu'il arrive spawn. D'ailleurs, il arrive short. Il reste deux flashs, une HE. Et j'espère qu'il va pique rapidement là pour passer en 1v2. Ils l'ont toujours pas vu, hein. Ça pas voulait. Ouais. Ils l'ont vu, il a acheté une molo maintenant. Dommage la molo. Oh, c'est la molo parfaite sur Alu. Incroyable, 1v1. 1v1, Forest. Ça m'a impressionné sur ce match face à JW. Et c'est Forest qui va le faire. JW qui savait absolument pas où son adversaire était. Il était perdu, JW. Il regardait dans tous les sens, mais où est-ce que je me fais tirer? Et en fait, c'est parce qu'il lui a sauté sur la tête. Ah oui. Alors, du coup, sur son écran, il n'y avait pas d'indication si c'était à gauche, à droite, en bas. C'était en bas en fait. Et il n'y a pas d'indication pour ça, malheureusement pour lui. Et ils sont en force by Fnatic. S'ils perdent ce round, c'est quasiment double écho derrière. Nip le savent. Et ils font tomber Jasper. 5v4, le comeback fantastique et encore réel. Oh, Freiberg, il s'est auto-molo, attention. Côté Nip, on joue classique, hein. On fait un contrôle map, on prend pas de risque, on se donne pas, on rush pas, on attend les statiques, et c'est les statiques qui viennent mourir tout seul au niveau de la short. Tout à l'heure c'était au niveau du B court. Ah, je les trouve très très agressifs ces statiques, hein. C'est assez étrange, depuis tout à l'heure on voit des joueurs très très agressifs en CT, alors que c'est pas forcément leur jeu habituel. Nip monte quand même. Ils ont un mental, mais incroyable. Merci. Tu perds 1-14 contre Fnatic. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ils seront remontés à 15-12. C'est énorme. C'est énorme ce qu'on réussit à faire Nip mentalement. De revenir d'un 14-1. Où tu t'es fait taser, que t'es tout quoi. Et t'es encore là. Et tu mets les Fnatic en économie. Ce sera sans doute une double écho. Parce qu'ils ont même pas 2000$. Ça peut faire le 15-14 et ça pourrait se jouer sur le dernier round de la map. Ah, c'est trop beau. J'adore. Ça serait beau. Ça serait très très beau, ça c'est clair. Hein. En tout cas, les Nip qui, en le premier side, on le disait difficile de remonter, eh bien, pour l'instant, ils montrent qu'ils en sont tout à fait capables. Voilà, Freiberg qui va faire tomber Pronax, Krims, qui va se retrouver à 18 petits HP. Ben voilà, les Nip qui nous montre un très beau jeu, un très bon moral comme tu le disais. Et par contre c'est Fnatic qui nous montre un jeu décousu, presque absent. Mais en fait ils pensaient tellement que c'était win qu'ils ont commencé à troll en tentant des move taser, en tentant des cuts, en faisant des assassins étranges, en rushant et tout. Fnatic ils sont tellement confiants, ils peuvent d'un autre côté parce que quoi qu'il arrive ils ont le draw. Et c'est hyper risqué, et là tu vois ce qu'ils viennent de faire, au lieu de double écho. Et d'avoir au prochain round de la WAP, du full stuff pour tout le monde. Là, ils font un achat avec du FAMAS, pas d'AWAP, relativement pas full stuff. Ils perdent ce round là, ils sont en force buy CZ pour le dernier round. Et ça peut faire le 15-15 s'ils perdent ce round. Plutôt que de faire un 16-4 quasi sûr, ils font l'achat risqué. Et Pronax fait tomber Gaytrette. On risque d'avoir. S'ils perdent, ce serait sur Sanip, ils vont être dégoûtés par contre. Effectivement, même s'ils ont fait une très très belle performance. Ah mais c'est encore pire de perdre 16-13 après un comeback de 13 rounds, je pense. Ah c'est sûr, c'est sûr. Alors que du coup, hein, on est toujours en 5v4 pour l'instant, les Nip qui n'ont pas rééquilibré. On est au niveau de ce middle du côté de ces Nip. Attention à lui qui s'avance au niveau de cette short. Il faudrait que Fnatic fasse une erreur. Un pick, un rush, un push, une erreur. Pour que Nip puisse revenir dans le round. C'est tout ce qu'attend Nip en fait au niveau du B. Freiberg qui avance avec Forest. Ils veulent un pic, qu'un Fnatic se montre, soit un peu greedy, se donne pour retourner le round. Forest qui prend le premier kill. Revenge de Freiberg. Alu qui a pris un kill dans le middle. 3v2, ils l'ont eu. Ils l'ont eu leur erreur. Alu qui fait courir dessus. Oh le raté de Jasper qui pensait entendre Alu à droite. Mais Alu était passé au niveau du spawn CT. Et à lui qui va le faire! 15-14, on y est! On y est, Rico! On y est! C'est impressionnant! Le force buy des Fnatic à venir, FAMAS CZ. Ça va être peut-être le 15-15. Ah non, et franchement, ne perdez pas sur ce round-là, je vous en supplie, quoi.
ne perdez pas sur Force Van Axel après avoir remonté 14 rounds, les gars. C'est pas maintenant. Il faut qu'il s'accroche et qu'on ait l'overtime de légende. Ça peut être un des plus beaux comebacks de l'année. Hein. 14-1 en tiro sur D2. Ça peut être magnifique. Effectivement, c'est très très beau. Et voilà, déjà JW et Olof qui ont perdu quelques HP. Olof à 64, JW à 32. Attention, c'est encore jouable pour les Fnatic. Les Nibs ne doivent pas créer victoire tout de suite. Ah, on me demande le scoreboard en régie. Si tu peux montrer le scoreboard à la fin de ce round, si overtime il y a, au viewer. Et Forest, hein. D'ailleurs, juste pour Forest, 29 kills de sa part. Il a été énorme. Et t'imagines que c'est son round à lui tout seul qui va peut-être permettre l'overtime. Ça, c'est grand. Ça, c'est grand, mais c'est pas terminé. Parce que pour l'instant, les Fnatic sont encore en 5v5. Il y a du scout sur Krims. On sait à quel point on l'a dit sur Cable. Les Fnatic sont bons. Et dangereux sur n'importe quel round. Et Olof Aster qui fait tomber Gatorade dans le middle. Gatorade, le lurker Nip qui est tombé en entry kill en faveur d'INLP. Il rend son AK au passage. Olof Aster qui push à Freiberg et la poké. Oh, ce serait horrible de tomber maintenant pour INLP. Il a 2 HP. Ils sont en 4v5. Ils sont. Oh, ils tombent de partout. Oh non. Ah, nous n'aurons pas. 2v4. On n'aura pas notre overtime. 2v4. 1v4. Oh, ils ont perdu sur la. Oh, ils ont perdu sur ça, j'y crois pas. Ils le perdent sur ça. Oh. 16-14. Oh, la tristesse. Oh, c'est dur. Oh, je suis en V2. Je suis tellement triste. Je voulais mon overtime de légende. Ça aurait pu être un des. Ça aurait pu être un des comebacks de l'année. Et il gagne sur un. Sur un double kill max set de Lothmeister et un push GA double kill au scout. Ok. C'est la fin la plus triste qu'on pouvait avoir. Ouais. 16-14 sur un Force Buy CZ scout max set. Ah putain. C'est. Et ben j'y aurais cru. Pareil, j'aurais cru jusqu'au bout. C'était beau. C'était très très beau. Pauvre bon. 14-1 pour Fnatic. 16-14. Bon. Du coup, on va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour NIP TSM. Je pense que les NIP pourront avoir la rage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont montrer sur Tine. Merci à toi Rico d'avoir été parmi nous pour ces trois premiers matchs avec un match qui a failli être de légende. Ça s'est joué à rien. Ouais. Et c'est Sceptics alors hein, qui me rejoint pour Train. C'est ça, c'est exactement ça. Ça sera Sceptics pour le dernier match. Du coup, merci à toi bien pour avoir casté aussi avec moi. Merci au chat d'avoir été là. Je vais rester dans le chat de toute façon. Et bien.